Oh, il y en a. Je peux poser deux questions. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé l'école? Il y en a qui n'aiment pas actuellement, c'est ça? J'ai fait partie des deux catégories. J'ai beaucoup regardé l'heure depuis la rentrée, depuis qu'on choisit les fleurs que mon esprit doit faire germer. C'est pas que je m'en fous de vos poèmes que j'ai copiés 10 fois 100 fois pour être sûre de pas avoir de problème quand la maîtresse m'interrogera. C'est que je préfère ceux du gros recueil, plein de poussière au grenier. Je peux pas les réciter par cœur, mais j'ai compris ce qu'ils disaient. J'ai jamais été une terreur, moi ça doit faire 13 ans que je la ferme tout près du radiateur en regardant passer le temps. Ma chanson elle revendique rien, je veux juste dire pendant que je m'en souviens l'horreur que j'ai pour les bancs d'école. Cette sensation de haut le cœur qui se propage avec les heures, j'ai cru y perdre la parole. J'ai rêvé d'inverser les jours et d'avoir classe la nuit. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir vivre un lundi. Y a une phrase qui m'a fait rêver, que les profs répétaient souvent. Ils disaient vous êtes pas obligés, si je vous emmerde, foutez le camp. Et là je rêvais d'être une terreur pour claquer la porte en sortant, dire adieu à mon radiateur. Mais moi je rêve en me taisant. Ma chanson elle revendique rien, je veux juste dire pendant que je m'en souviens l'horreur que j'ai pour les bancs d'école. Cette sensation dure le cœur qui se propage avec les heures, j'ai cru y perdre la parole. J'ai cru que j'étais pas courageuse, une ratée, une putain de peureuse, que ma vie elle vaudrait rien si j'en aimais pas le chemin. Je me souviens de l'angoisse que j'avais d'en sortir, comme d'y rester le jour où on m'a expliqué qu'on joue tout sur un bout de papier. Ma chanson elle revendique rien, je veux juste dire pendant que je m'en souviens l'horreur que j'ai pour les bancs d'école. Cette sensation de haut le cœur qui se propage avec les heures,